Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plairance sur l'épisode 2 Dragon's Dogma Dark Arisen. Chers amis, nous partons directement vers le Chud. Et dans le Chud, nous allons... Non, c'était pas par là justement, c'est de l'autre côté. Nous allons plutôt aller vers le nord. Nous allons donc tout simplement retrouver donc Selene, la sorcière que nous avions donc ratée la dernière fois. On n'avait pas pris les bonnes plantes qui en fait sont aux alentours, de sa cabane normalement. Hop, on va pas courir de trop. On a pu voir qu'on a pu beaucoup plus courir. Quoique. On va bien retourner à Cassardis en fait. Vous allez voir pourquoi. Après réflexion, chers amis, il va falloir que j'ajoute un mode pour pouvoir sprinter tout le temps parce que les déplacements dans ce jeu sont vraiment chiants. Hop. Oh là, les textures, les gars, là. Bon, vivement les modes pour ce jeu, hein. Au moins pour les textures. Et pour le clipping, tout ça. Alors, on va attendre que ça recharge un petit peu. Juste pour voir, j'en suis où, moi, dans mon... Je suis très léger pourtant. Bah alors. Oui, t'inquiète, je sais comment combattre, merci. Oui, oh là là. Ok, on y est. La majesté et l'amour n'habitent pas la même demeure. Bim. Ok. Qu'est-ce que... Rorik et O. Can anyone hear me? Pray, come and help. The life of a salesman surely has its own. Ok, apparemment il y a quelqu'un dans le puits. Moi je pense que je venais. C'est pas la première fois que je passe dans le puits pourtant. Bonjour. I'll take that. Ok, bah pillez-le, écoutez, hein, c'est. D'accord, je m'étais dit que j'allais venir ici m'en jeter un petit dans le gosier, loin des yeux on est discret. Mais un grondement terrible s'est fait entendre plus loin, sans réfléchir, je suis allé jeter un œil, c'était des monstres, sans aucun doute. Tout un essaim. Je me dis que je ne pouvais pas laisser les envoyer, alors je suis resté ici pour les retenir. Heureusement que j'avais à penser à apporter un truc à boire. À vrai dire, j'ai pas besoin de vous voir. Je crains que ces bêtes ne dépassent les capacités d'un vieil homme comme moi. Iriez-vous vous en occuper pour moi? Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu m'as donné? What's this? Bizarre. De l'eau. Which way should we go, Arisen? Ok. On va mettre la torche parce que là il fait vraiment sombre. Hop, petite noix, c'est parfait. Hop. I hear running water from the rise. What's that? Alors, à droite. This bridge is too far to cross. You are right, master. Et de une. Never mind the beast, salting the water below looks shallow enough to fall. Oh, c'est... Ah, elle m'a fait des dégâts quand même. Bon, pourquoi pas, vas-y. Ah, je suis empoisonné même. I've been drenched. Il semblerait que je sois empoisonné. Pourquoi pas? Ah, puis j'ai noyé ma lanterne. Fait chier. Hop, là, ça y est, on a fait la mission. C'est la mission que je voulais faire. Parfait. Je t'en prie, vas-y, heal-moi. Ça fait toujours du bien. Ah la vache! Je me rappelais pas qu'elle m'empoisonnait avant celle-là. Le coffre est ouvert. De Dieu. Hop. Ok. Pourquoi pas? Ah la vache! Mais défendez-moi! Ok, on y va. Donc tant que je suis mouillé, bien sûr, je n'ai pas le droit à de la lumière.
seems it's been dead for some time. We'd best take care not to be seen. If we're to proceed, je suis empoisonné, s'il vous plaît. Statue. Combien de temps c'est censé durer le poison? Oh, j'adore le nombre d'informations qu'on a à l'écran. Statue. Général. Attaque. Nanana. Condition. Poison. Ok. Et donc, j'ai un antivenin ou pas? Fiole de poison, écume, flèche de venin, les maçons, les petits de poids. Détonat poudre. Ok. Un interventif seulement. Une panacée. Bla 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 bla. Bon bah écoutez, on va prendre un interventif. Voilà. On n'est plus empoisonné. Alors, il m'a parlé de monstre, lui. Pourtant, je ne vois rien. Compte sur moi. Qu'est-ce que c'est? Anis pourpre, pourquoi pas. Pilier de l'empereur, oui, si tu le dis, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est... On m'a parlé de monstre. Je n'en vois pas. Putain, j'ai été re-empoisonné. Oh la gueule. Mais avant, j'étais jamais empoisonné. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Des rats. Ah là, je comprends pas. Allez, vas-y, heal. Hop. Est-ce que là, on va arriver en haut, là? Mais il y a eu aucun monstre. Journal. Ah, il y a des nids, apparemment. Des nids de sauriens. Parce que les nids, eux, par contre, je les ai pas vus. Ça, c'est possible que je les ai loupés. Effectivement. Oui, merci pour le coup de heal. Hop. Ah. Là-bas. The scales along their back are hardest of all. I'll serve as bait. Hop. Strike the tail. Je servirai d'appât, frappez la queue. Let's circle round the back. Ok. Tiens, bouffe. Ça marche au moins ou pas? Ah d'accord, fallait rappuyer sur eux. Il est balèze celui-là. Ok, on va arrêter. Un petit peu fatigué. Ils sont balèzes, hein. Ok, un petit peu de heal me ferait du bien. Hop, c'est fait. Je servirai d'appât frapper la queue, pourquoi pas. Hop, et voilà. Une fois qu'on a la queue.
se passe tout de suite beaucoup mieux. Frappé, dommage. Que tu sors rien. Pétons les nids. Je suis encore empoisonné, non? C'est bon? C'est bon. Il y a une autre sortie en plus. Intéressant. Fragment de faille, génial. Wow! Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que... Oula! Un vilain? Oulala! Oh papa! Ça c'est papa ça! Ok, ça pue, je n'étais pas préparé à ça. Ça verrait de pas frapper la queue, pourquoi pas. Hop là! Merde, la torche! Aïe! Ok, 2-1. Ah, il aime pas le feu! Oh la vache, ils lui ont coupé la queue! Par contre, il le repousse sans cesse, c'est casse-couille! Ok, apparemment, ils l'ont buté! Hop là, ça c'est fait! Bon bah je crois que c'était un boss. C'est cool. On vient de se taper un boss. Je l'avais pas prévu ce coup là. Ah. Attention à l'eau, le malfit du Kraken empêche les armures de nager. Pétez tout. Ok. Ok. Attendez, on va essayer autre chose. Et... Boum. C'est tout. Ah, voilà. Génial, vous avez appris des choses alors. Vous êtes devenu utile donc. Non, non, pas dead end. Oh, me dis pas que je peux pas en sortir par là. Juste par là, c'est ça, non? Même pas. Wow, 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 wow. Oh, un coffre. Armure d'os renforcée. Pourquoi pas? C'est une armure pour moi ou une armure pour les... Hop. Équipement. Bon, elle est beaucoup moins bien que la mienne en tout cas. Hein. C'est une armure, j'en préfère un habit en fait. Même pas, parce qu'elle prend tout, je crois, cette armure là en plus. Ok, bon bah on y va là. Ressortons, chers amis, ressortons. Ce qui va être un peu plus chiant, c'est le fait. C'était par là. C'était par là. Sans lumière, tout est beaucoup plus sombre. Hein. Ah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on retourne voir l'autre trou du cul. À Cassardis. Hop. L'expérience, voilà le maître en toute chose. Oui, c'est sûr. Enfin bon, si on parle comme ça, on est tous des mauvais. Hein. Ah putain, j'ai en train de crever de... Allez, hop. Oui, bah t'es marrant, si j'avais un peu plus de points d'endurance. Hein. Nature is unbridled here. It's quite a pleasant corner. This encampment serves as a fine bulwark against monsters. Oui, oui, bon, enfin bon. Là n'est pas la question, vous voyez. Oh là, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, il commence à faire nuit. Ah.
Une ambulance qui passe dans la rue. Hop. Alors, en douceur. Est-ce que le jour se lève? Où est-ce qu'il se couche? J'ai pas pu passer toute la nuit dans la grotte, c'est pas possible. Ça c'est moche par contre là-bas. Alors. Ça c'est moche là. Clairement l'impression que c'est une image. Alors, me dis pas qu'il faut que je retombe dans le dans le puits, pardon, excusez-moi. Où qu'il est ce bonhomme? Journal. Ah si, il faut que je retourne dans le puits. Yo l'ami. C'est bon, problème résolu. Oui. Ok, tu m'as donné quoi? Je ne sais pas. C'est génial, merci. Un grand merci pour ton aide. Alors. Oui. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir jusqu'au petit matin. Y'a pas d'autres quêtes. Ah, y'a plein de quêtes. Garde du corps. Garde du corps. Garde du corps. J'ai pas envie. Faudra qu'on les fasse, chers amis, hein, malheureusement. Se reposer pour 50 pièces, dormir jusqu'au matin, s'il te plaît. Merci. Alors. Okay. Oh, il m'a fait plein de cristaux, celui-là. Génial. Oh, il m'a donné un équipement. Oh, il sert strictement à rien. Par contre, c'est de l'argent. Oh, c'est cool. Ah, il a été... Il a été généreux. Sympa. Cool. Oui. Bah oui, 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 je suis d'accord pour prendre tout ça. Oui. Disons oui. How did I perform? Alors, ellipse pour le temps du accès au serveur là. Bon, on y retourne, chers amis. Hop, c'est parti. Crac. Hop, et hop. Non. Oh oh. Je suis passé, maqué. Hop, on y retourne. Vous n'êtes après tout qu'un minuscule individu dans le vaste monde, tout à fait. On chasse le lapin. La chasse au lapin est ouverte. What's this? C'est bon, calme-toi, hein. T'as le mec qui sort sa grosse épée pour buter un. Alors, remarque, on est passé niveau 21. Ils sont quel niveau les autres du cul là? Statue 17. Quand on va arriver au campement, on va changer de. Lapin! On va pas changer de lapin, excusez-moi. On va changer de. Hop, c'est de l'huile. C'est vide, prendre de l'eau. Non, de l'eau. Je disais donc, on va changer de pion. Voilà. Mais pas on va changer de lapin. Allez. Au passage. Un guesson, 50 clairons matinaux, une bourse en serpent, 20 signes de quête, 10 tons conservés. Voilà, c'est celle-là qu'on veut. Ok. C'est parti. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres, tout à fait. Alors, où c'est que c'est coulé? C'est ici. Ok, c'est parti. Hop, avec un peu de bol, on pourra avoir des classes avancées. Ce qui pourrait être sympa. Remarque, avec 15 000 points, on pourrait prendre des personnages aussi un peu de plus haut niveau, mais c'est complètement OP. Hein. Alors. Monsieur Bison, ou Madame Bison, je sais pas trop encore. Is everything in order, master? J'en prie, va-t'en. Oui, si tu veux, j'ai du... Tiens, j'ai eu un filet de bête à varier, si tu veux. Apparence, je suis désolé, il est complètement laid.
Assistance, il a été efficace. En combat, il a été efficace. Apparence. Est à peine regardable, voilà. Ok. Et toi au rond par contre. Renvoyé. Oui. Toi, juste pour le plaisir, je vais te donner du raisin, parce que voilà. Hop. Apparence, il est stylé. Combat, il était performant. Assistance, il était moyen. C'est un grand moment. Merci à toi. Va-t'en. Ok. Oh. Galahad. Bonne armure. Si on allait directement sur la pierre. Hop. Recherche. Par niveau. Niveau 21. Parce que vous voyez, si j'augmente un petit peu en fait, vous voyez le principe. De toute façon, c'est un peu plus RP de faire comme ça. Hop. Critères de recherche. Pour l'instant, commençons avec un guerrier. Non, bah non. Aucune sélection. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Provocation à son bouclier, furie de bouclier. Nanana. Défense divine. Ah, celui-là est déjà intéressant. Vrex. Alors déjà en plus il a un nom qui me plaît. C'est lui qui avait l'une sanglante. Tiens donc ça m'intrigue. Broche d'âme, volonté d'acier. Tiens donc. Leila. Colère barbare. Stella. Attends, on va voir plutôt au niveau ici. Défense divine. Dédra. C'est nous faire en fait deux tanks. Hein. Ce qui va pas être trop mal. Et Ducato. Allons-y. Les voilà. On en a deux ici, deux là. Alors déjà. Des draps, tu te barres, t'as pas la bonne armure. Stella, t'as une armure. C'est bien. Ducato, tu te barres, t'as une armure légère. T'as une armure moyenne. Vrai que c'était stylé et tu me plais. J'ai pas beaucoup de gens comme toi. Je te prends. Ok. Parfait. Maintenant, au niveau du mage. Critères de recherche. Hop. Aucune sélection. Mage. Sorcier, normalement, c'est plus combattant. Quoique, on peut peut-être aller voir un sorcier, tiens. Vous savez quoi ? Hop. On va aller voir et chercher par compétence. Aucune sélection. Magie de guérison. Hop, commençons par ça. Crac. Alors, aura de guérison, sanctum magna, aura de guérison, charme sacré, charme obscur, silence mania, linceul des ténèbres, aura de guérison. Celle-là me plaît. Charme de foudre, style vortex électrique, banquise, aura de guérison. Mur ardent, sanctum magna, boule de feu, ex-charme de feu, tiens, la pole, aura de guérison celle-là. Sauf si elle l'a mise en principale, c'est possible. Effectivement. Hop, tiens, vas-y. Toi, je peux te renvoyer. J'aimerais renvoyer certains... Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok.
Ok, on va les invoquer. Hop. Et je vais les renvoyer les deux autres du cul qu'on a là. C'était là et les là. Hop. Alors. Jane. Jaina. Oh putain, il y a une gamine quoi. Ah non, c'est une vieille ou c'est une gamine? Alors toi, tu te barres déjà. Jaina, physiquement, je t'aime pas. Quillan. Une gamine ou une vieille? J'arrive pas à voir en fait. En fait, j'aimerais que tu ne te retournes pas. Que je puisse te voir de près. Bah, je suis con, je vais lui parler. Détail, elle a quoi comme sort? J'aime pas, hein. Boule de feu, tempête, mur ardent. Aura de guérison, d'accord. Donc il me faudra Sanctum Magna et aura de guérison. Donc toi tu te barres. Ok, niveau 21. Critère, mage ou sorcier avec de la magie de guérison. Ça j'en ai rien à faire, que ce soit un homme ou une femme. Mage ou sorcier. Hop, voilà. Il nous faudra donc Sanctum Magna et aura de guérison. Celle-là commence très très bien. Charme de glace, charme de feu, charme sacré. Eh bah celle-là déjà, hop, tu viens par là. Morrigan. Ah bah tiens, je crois qu'elle était déjà là en plus. Hop, ça aussi ça me plaît. Charme sacré, aura de guérison, Sanctum Magna, hop. Wanderess, le Raja, Morrigan. Tout monde intéressant, ça passera au physique à mon avis, chers amis, là. Hein. Soyons honnêtes. C'est sur le physique que ça se basera. Celle-ci, elle a quoi, aura de guérison? Ah, voilà, hop. Aya, 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 aya. Alors. Hop, et celle-là. Victoria qui sera la moins intéressante du groupe. Allez les filles! Parce que s'il y a le moindre mec, je comprends pas. Je fais pas ça pour, mais bon. Alors la fameuse Morrigan, est-ce que c'est celle que, qui je. Yes, Arisen. Ok. Ah, il y a. Il y a Elsa. Chin Chin Bin, d'accord, ok. Yes, Arisen. Oh mon dieu! C'est quoi cette horreur? Comment que tu t'appelles? Le Raja. T'es laquelle toi? 130, 323. Alors 323. Hop, pourquoi pas. Boule de feu, ex, vortex électrique, charme de feu. Aura de guérison, Sanctum Magna. Alors déjà, elle a des... ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça. Toi je te garde. Yes, Arisen. Toi c'est possible. Aya. Yes, Arisen. Détail. Alors déjà 247 en magie. Yes, hop, Arisen. Toi je peux t'envoyer chier. T'as moins de magie. T'es pas du tout compétitif, entre guillemets. Victoria. Yes, Arisen. T'as une armure lourde. Yes, Arisen. Tu t'en vas. Yes, Arisen. Wanderous. Ah, elle était intéressante, celle-là. 331, déjà, hop. Alors, charme sacré, boule de feu, tempête électrique. Linceul éternel. Elle a pas aura de guérison. Yes, en... elle est plus DPS, celle-là. Alors Morrigan, tu as combien de points de vie? De points de magie, pardon. 346, tu es donc viable. Sanctum Magna pour le... D'accord, aura de guérison. Charme de feu, charme de glace, charme sacré. Ah! D'accord, alors vous êtes toutes les deux viables, hein. Et quand je dis viable, je suis gentil. Yes, Arisen. Ça fait 323, tu es donc moins puissante. Par contre, ta boule de feu ex. Charme de feu. Et aura de guérison sans tout magna. Ouais, d'accord. Bénédiction. Ah, et par contre, elle a qu'une seule oreille. Yes, bon. Bon, bah, on partira donc sur Morrigan. Hop. Yes, Arisen. On te prend avec nous. I am honored to travel. J'espère bien que tu es honoré de venir avec nous. Et on se barre. Voilà. Bon, bon, bon. C'est fait! Me dites pas qu'il fait nuit, non c'est bon. Allez, on y va, on va chercher. Non, avant, chers amis, j'aimerais. Hop, vas-y, agrippe-toi.
Ah, les flammes, c'est chaud. Yo, l'ami. Compétences. Apprendre des compétences. Est-ce qu'on a des points? On a des points et on a des nouveaux trucs. Souffle du drague, brise crâne, capture. On lance un filet pour attraper les ennemis légers. Vous les attirez vers vous avant de les assommer d'un coup puissant. Ouais. Pourquoi pas? On n'a rien de nouveau. On n'est pas passé à un niveau supérieur. Mercredi. Moi, j'aimerais pouvoir avoir le double saut déjà du voleur. C'est très pratique. Qu'est-ce que c'est que par là? Terrain d'entraînement de Berne, d'accord, ok. Ok, on y va. Le caractère d'un homme fait son destin. Oh bah putain, je suis pas dans la merde alors. Alors, on a une belle équipe. Deux hommes, deux femmes, ça faisait longtemps. Allons-y. Hop. Ok. Bon, là, on garde notre... J'aurais préféré que tu me sortes. J'aurais voulu esquiver mes putains de flèches. Et les flèches enflammées, tu comptes les esquiver. Merci. Plus précis, tu meurs. Stop. No. Quoi? The beast cares far. Ok. Oh. Putain, mais il va cesser de m'esquiver, lui. Je vois même pas. Il est là. Ok, c'est bon. Peau de loup. Hop. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des armes enchantées, ça m'avait manqué, je l'avoue. Ok. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais apparemment c'était d'une violence rare. Oula. J'ai des grosses baisses de tension chez moi. Oula, je regardais pas l'écran, je regardais les lumières. Ça fait plusieurs jours que je le remarque. Je vous avoue que ça m'inquiète. Hop, bien joué. Effectivement, ils sont vifs. Hein. Oh! Un piège. Ok, c'est bon. Vous nous avez raté! Watch for falling rocks as we walk the slopes, master. Et tu pourrais essayer d'éviter de pas viser à côté. Why have you come here? So many twists, it's hard to see what lies ahead. Armed rogues, they're left exposed after a grand strike. Oui, alors de là à dire qu'on a triomphé, c'est que deux pauvres bandits. Hein. Human foes may fight as fiercely as any monster if pressed. They're armed, master. Ah putain. Hold nothing back. Boom. Hold nothing back. Ok, lui je l'ai eu. Strength in numbers arisen. Armed rogues. Est-ce que je peux le toucher de là? Non, du tout. Ok. Flèche trouble. Où est-ce qu'il est? Hop. Hop, et voilà, ça c'est fait. Aïe! Aïe! Mais putain, mais il me combat en plus! They attack
Il balaye celui-là, c'est pas possible. Tiens, bouffe. Tu le tiens, parfait. T'es sur le point de le faire. Tiens, bouffe. Là, je lui ai sorti les boyaux, le pauvre garçon. Pouvons-nous avoir un petit coup de soin, s'il vous plaît, merci. Hop. Morrigan est donc bel et bien efficace. Hein. Parfait. Hop, allons-y. Putain, mais où ils sont? Là. Counter after they strike. They attack in quick succession. Strength in numbers arisen. Ok, ils les ont eu, parfait. Là, on a les armes en mode sacré, chers amis. C'est pour ça qu'elles brillent blanc. Alors de là à savoir si c'est une bonne idée face à des. Armed bandit arisen. They attack in quick succession. Oh. Come looking for a fight. No interruptions. Oh la vache. Aïe. Qu'est-ce que... Oh la vache, j'arrive pas à la sortir, moi, la mienne. Oh. Dégage. Ok, on est mauvais avec l'arc. Ok. Ok. Oula, l'insolite des ténèbres. Elle a plus peur. Elle, elle a vraiment pas peur, hein, vu ce qu'elle utilise comme sort. Alors là, il n'y a plus de bandits, c'est marrant. Chaque fois qu'on est venu, on avait un paquet. La vache, j'y vois plus rien. Ah, c'est parce qu'elle va... Moi qui pensais qu'elle allait les mettre en flamme, mais apparemment j'y ai pas eu droit, elle a changé de cible au dernier moment. Hop là. Le coup de pied qui fait du bien. Bon, j'ai bien compris que vous m'attirez là où il y a de plus en plus de loups, hein, mais... Ok, lui il est mort, on sait pas trop encore de quoi. Sûrement une crise cardiaque. Ou alors son cœur a arrêté de battre. Vous me direz, oui, il y a une raison sûrement sous-jacente, mais... Oh. Merci. Hop, on y va. Progressons, progressons, progressons. Parce que là, on avance pas. Et cet épisode commence à être très très long. Merci. Donc je vous rappelle qu'elle a... Je crois qu'en fait, le truc qu'elle a qui lui augmente aussi, donc la puissance de ses sorts, augmente aussi malheureusement le temps d'incantation de ses sorts. Par contre, la map, ça me dit strictement rien. Je me rappelle pas du tout. C'était où la carte déjà? La carte, c'est là. J'ai rien vu. Ah ben non, je les avais fait. Alors là, je suis pas d'accord. Je les avais fait normalement, les trucs de brume. Voilà, il y en a un que j'ai pas fait par ici, peut-être. Peut-être ça, hein. Tout simplement. Il y a un coffre ici que j'ai pas fait déjà. Hop, chapeau de magicien, pourquoi pas. Bah non, 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 je les avais déjà fait, les... We must ford this river to reach the witch's cottage. It is shallow enough to cross. Ah non, donc ils ont repop. Fichu lapin. Bon bah allons-y, hein.
wood is uncommon dense. Almost as if it means to hide or to. Hop, vas-y, prends quelque chose là-dedans, c'est un crâne. Ok, génial. Wolves hunt in packs. It's a place rich in valuable resources. Careful! A goblin! You'll ne'er hit them swinging blindly. Fire, let thy kiss! Dégage, hop. I shall still the beast. That item is mine. What's this? Ok. Non, il a rien vu, t'as rien vu. Ok, c'est bon. Vous récupérez pas les trucs au sol, les gars? But stray a few steps, and you'll be well lost, even in the noontime sun. Few people are willing to take such risks. Hop. La brume. Les attaques de feu sont efficaces, effectivement, oui. Bague du banquier. Ah, Faina a grimpé de niveau. Faut que je me mette à combattre un peu plus alors. Ok, c'est bon. Ok. On rappelle qu'il nous faut trouver du laurier, mais normalement il y en a autour de son campement à elle. Enfin, son lieu d'habitation, on va dire. Je les avais pas vus. C'est quoi ça? Terra plante, ça j'en prends. C'est pratique. Wolves hunt in packs. It hates fire. Watch your back. Hop. Strength in numbers arisen. Voilà. The master, wolves. I'll take that. Salaud. They're open after a blocked lunge. Je les ai ratés. Et là, j'ai servi à rien. Fragment de faille, je prends. Hop les, bim, coup fatal. Carte. Je me le rappelle. Ah mais c'est vrai. Ok, on n'est pas dans la bonne direction du tout. Hop les, allons par là. Je suis englué. Donc je suis tout lent. Hop les, voilà. Donc c'est littéralement un slow motion en fait. Hein. Hop les, voilà. Passe par là. Là-bas il y a une bourse. Hop. Hop les, heureusement que j'ai pu me rattraper. On va passer par là normalement. Et on va gagner du temps, voilà. Voilà. Là, il y a un trou là. Avec un coffre. Hop, anneau de déesse. Putain, on en trouve des trucs, eh. Alors, attendez. Hop. Bah. Ils sont pas dans mon inventaire? Peut-être pas dans les bijoux, alors. Alors. Un signe de quête, donc non, c'est pas là. Spéciaux, matériaux, outils, remèdes, bah alors. Étrange. Ok, bon bah écoutez, on descend alors. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est? D'accord, un baril d'explosif. Alors, normalement. Normalement, dans sa région. Allez, des champignons. Terra plante. Carotte. C'est pas ce que je voulais prendre. Pollen sucré. Ah, peut-être qu'on en a, attendez. Attendez, hop. Grand spokesman.
Une plante de grand cycle, des simples. Ah oui, pour la bière, d'accord. Donc c'est pas la bonne, c'est pas la bonne chose. Normalement, elle en a dans le coin. Mais elle n'est pas normale. Oregon du Sud. Oregon du Sud. Oregon du Sud. D'ailleurs, celle-là non plus n'est pas normale. Hein. It is a curious stone, is it not? What's that? Bon, là, il y a un coffre. Et j'espère qu'on m'a pas envoyé dans le... dans le mauvais coin. Terra plante. Bon bah un instant, je vais voir. Je reviens. Ah ! Alors je vais vous dire où sont les plantes pour ceux qui savent pas. Elles sont là. Juste derrière. Ça me donne limite envie de tricher. Même si c'est pas possible. On serait dans Fallout, j'aurais fait un TCL. J'annonce. Parce que là, vous voyez, on peut pas aller à la porte. Oula. Mais elles sont là. Bon. Alors moi qui voulais pas me spoiler, je me suis pas fait spoiler du tout. Et je me suis fait enculer. Je me suis fait littéralement enculer. Mais non. Bon, peut-être qu'à l'intérieur elle en a. Si c'est de l'eau, bouteille de poids. Une pioche, génial. Oregon du Sud, terre à plantes. Oregon du Sud. Allez, un petit coup de laurier, c'est rien. Ah, oh, il y en a sûrement sur la table en plus. Oh merde. Fais chier. Putain. Ah, j'ai pas de bol. Ah, ce jeu, c'est un véritable manque de chance, quoi. Bon. Eh ben écoutez les amis, moi on va se laisser là. Je pense que je vais faire le chemin à pied la prochaine fois que je jouerai au jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam. Tout ça. Et moi je suis encore une fois déçu par ce jeu. Allez, salut les gentils, je dis vrai. J'y ai presque cru l'espace d'un instant. Vérifions quand même une dernière fois. Hop, ok, c'est pas grave. Grande noix, je prends. Vous êtes sûr? Vous pourriez pas m'en faire pop une? Il y a une console? Non, bon bah tant pis. Allez, salut les gens!